bienvenue sur notre tutoriel concernant l'affichage d'SVG sur vos liens dans votre en-tête de site. Voici un exemple de ce que vous pouvez obtenir avec ce procédé. Pour ce faire, rien de bien compliqué, sur chacun des liens où vous souhaitez qu'un SVG soit apparent, vous allez dans votre boutique en ligne, navigation, puis le menu correspondant, cliquez sur modifier le lien, et dans le nom de celui-ci, vous allez marquer hashtag SVG. Bien sûr, ce hashtag SVG, comme vous pouvez le voir ici, n'est plus présent, il est supprimé et n'est pas visible aux yeux des navigateurs. Ça permet simplement, dans le code en amont, de récupérer l'information comme quoi un SVG doit être présent sur ce lien. Une fois fait, vous allez devoir nommer vos SVG de la même manière que le handle, que l'encre des liens qui y sont associés. Ici par exemple, All Shoes. Dans mes fichiers, j'ai d'ores et déjà importé la totalité. Mais comme vous allez pouvoir le voir, All-Shoes, c'est bien le lien que je vais retrouver juste ici, que vous pouvez voir actuellement en bas à gauche. Faites ceci comme vous pouvez le voir pour la totalité des liens qui vous est nécessaire et vous pouvez donc obtenir après plusieurs choses comme ceci avec des SVG différents. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.